Hi, my name is Evita Alvarez and Téléimage, c'est Image Pam. Je suis Jean Taylor, je suis comptable. Téléimage, c'est Image Pam. Monique Deneau, producer. Téléimage, c'est Image Pam. Nom, c'est Robert Élisée. Téléimage, c'est Image Pam. Bon jumelon et puis plein d'air avec très bonne compagnie avec Jerry Tardieu côté que n'a continué à parler de investissement en Haïti nous même diaspora on connaît que son sujet qui très très intéressant pour nous mêmes et qui tient nous à cœur parce que nous t'a aimé venir dans pays nous venir investir. Alors Jerry nous t'a parlé justement de incentive. Qui incentive que vous bail pour monde qui t'a aimé venir investir dans pays d'Haïti. Bon j'aime t'a dit tout à l'heure. Incentive, ça veut dire dans le code des investissements, les incitations à l'investissement sont très grandes. Ça veut dire que dans tous les secteurs d'activité, lors promoteur un projet important qui crée emploi en Haïti, il y a possibilité pour bénéficier d'un pile de l'État ici. Par exemple, il y a possibilité pour bénéficier d'exemption de droits de douane sur tout matériel, équipement pour rentrer en Haïti pour faire investissement. Très important. Ou qui doit bénéficier tout donc exonération d'impôt sur le revenu sur 10-15 années facile. Ça dépend naturellement du type d'investissement qu'on fait, de l'importance d'investissement qu'on fait et du secteur d'activité dans lequel on fait investissement ça. Okay. Bon paquet de bonnes autres incitations qui favorable à l'investissement privé en Haïti. So, moi invité jeunes haïtiens, jeunes américains d'origine haïtienne qui a fait études sur Haïti. Pour regarder le code des investissements haïtiens, pour regarder combien en Haïti il y a possibilité pour les gens de faire investissement privé et pour bénéficier que l'État accompagne la donne. Ça, je pense que son bail, je ne parle pas de données assez souvent et moi-même, je vais partager ça avec vous. Ok. Mais Jerry, il y a un bail que vous dites, alors, le pays d'Haïti, c'est mon pas, c'est mon nous connaît. Et que bah yo plus favorable peut-être pour Jerry Tardieu, yo qui n'a pas favorable pour l'autre monde qui pas gen nom, qui par contre qui pas gen des frottements, j'allais dire hein, qui par contre tel monde dans gouvernement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que il est facile on ça Jerry pour un monde qui gagne idée de en nous disant que monde intégré idée vienne faire un hôtel pareil. Est-ce que ce serait aussi facile pour cette personne hein, en toute franchise en toute franchise n'a dit que si nous voulons parler le langage de la vérité, c'est comme dans tout pays au monde. Il y a des gens qui peuvent être joints facilité qui puis grand qu'on l'autre. Okay. De par connexion, de par contact, ou de par soi fait, de par présence, ou etc. Et c'est vrai que en Haïti, il y a des contraintes qui sont plus importantes pour les gens qui sont New York, qui pas habitués à milieu, que les gens qui ont 20-25 ans à vivre ici, à développer des relations avec des gens. Ou bien que l'autre partenaire, moi, tout, qui est dans cette affaire là. Et cependant, moi-même, je pense vraiment que ce n'est pas un obstacle majeur à investissement privé en Haïti. Qu'est-ce que ça me veut dire par là? Moi, m'a dit et m'a redit encore. Si ou gagnez un bon projet, ou gagnez des mouns qui connaissent à faire sous terrain, qui ta gérer projet à pour Haïti, qu'on gagne un minimum de capital pour faire que banque dans lui-même il sentir confortable dans projet là parce que ou mettons ti bail là dans tout, ou pas venir demander financement à 100% ou venir demander à 50%. Et qu'on a un rêve, ça veut dire qu'on a une ambition pour réussir dans ce qu'on fait en Haïti, ou à réussir. Okay. Ce n'est pas question de monde, pas seulement. Question de monde, pas important. Peut-être qu'on a ouvert plus de portes pour parce qu'on a monde pas. Peut-être que ça t'apprend un monde 3 mois parce que le manque de contact là. Et peut-être que le monde qui a contact là, prend un mois. Ça évite, dans tout le pays, ça fait. Okay. Cependant, moi-même, je ne pense pas que c'est un obstacle majeur. Je pense que en grande majorité, depuis que vous avez un bon projet et que vous avez bien analysé, que vous avez un bon partenaire, vous avez besoin de moyens pour investir en Haïti et pour que l'argent en fait petit pour investir en deuxième fois, en troisième fois, en quatrième fois, jusqu'à ce que vous retournez en Haïti. Parce que nous-mêmes qui sommes dans en Haïti, c'est pour ni vous-même, ni Valérie, ni tout Haïtien qui vivent dans Long Island. Vous avez fait un travail, bien travail, un jour que vous êtes capable de retourner à la caille. Ouais, ouais. Okay? Bon, d'ailleurs, je suis un déjà dans la rue. Non, vas-y, go suite. Enfin, il y a une suite. Bon, bah,
Ah bon? Ah, mes amis, ils sont nous tenons une suite là. Hôtel ça, c'était ça. En ce qui concerne, on continue toujours sur investissement, Jerry. Vous côté que me lis que c'est président du Conseil de développement économique et social. Vous avez élaboré un petit peu de rôle ça, qui s'accompagne comme président. Oui, en fait, moi, j'étais président. En fait, okay. Conseil de développement économique et social, c'est un grand honneur que le Premier ministre Lamotte, avec le président Martelly, a fait. Il y a de cela deux ans, le a créé le Conseil de développement économique et social pour offrir la première présidence. Donc, son conseil qui était concentré surtout dans l'analyse des questions d'intérêt public, nous fait un pile d'études sur des dossiers et qui nécessitent une politique gouvernementale. Et nous fait des recommandations par le Premier ministre avec le président. Souvent, les recommandations que nous faisons, ils acceptent. C'est pour ça que nous-mêmes, moi-même, très satisfait, très honoré, très fier que moi étais capable et servi comme premier président CDES. Et nous contribuons en plus à la positif qui fait dans le pays. Et nous avons souhaité que le Conseil de développement économique et social toujours continue de jouer un grand rôle en Haïti dans les années à venir. Ça, c'est bien dit. Alors, pour moi, qu'on cap garder, Jerry, et qui peut-être capable de comme vous-même, vous êtes un entrepreneur exceptionnel, là, qui arrive vraiment où est au monde? Et tu as venu investir comme vous et pour garantir que bon, ça a vraiment besoin ça en Haïti. Comme vous dites, parce que parfois, mouna, son famille, son ami qui dit ah, viens mettre trois bus là, viens nous vendre quincaillerie là, et tout ça, et puis bon, ça ne voit rien là, voyons. Oui. Mais est-ce que vous-même, en tant qu'entrepreneur, capable de dire, mounio, qui a réagi vraiment Haïti capable de nécessité de business? Qui business ou est vraiment qui a bénéficié pour Haïti là? Tout côté. Pour qui ça me dit tout côté, Baba? C'est parce que grand pile besoin dans tout le pays. Ou bien nous a décidé ou fait une escale sur route nationale entre Cap avec Port-au-Prince qui permettent que les gens qui ont bus, qui ont acheté, qui ont désaltéré, qui ont mangé, qui ont dans la toilette. Son projet très simple qui existe dans tous les pays au monde, mais que je ne suis pas tellement en Haïti. Son exemple, où est-ce qu'on a décidé de la Tibonite ou transformer Mayotte en farine et pour commercialiser? Où est-ce qu'on a décidé sur son producteur clairin dans Nord-Est? Ou font gens pour que client en aller ou commercialiser dans le sud-est. Ou bien doit faire toute qualité bagaille, c'est imagination qui pourrait être. OK. Moi même moi changé que moi était un jury dans concours qui relait MEMA, mon entreprise mon avenir. C'est 400 plans d'affaires sur l'échelle du territoire que ont été mis en compétition et que demande un jury pour choisir les 10 meilleurs plans d'affaires. Moi-même, je fais partie de jury ça. Ah oui? Nous avons choisi les 10 meilleurs plans d'affaires. Et nous avons payé chaque monde $10,000, chaque gagnant. Et le gagnant du plan d'affaires a eu lui-même droit à un financement pour tout son projet. Pourquoi ça t'a frappé, Barbara, dans ça? C'est que moi, j'ai gardé qualité projet dans tout le pays. Je regarde des bonnes, et c'était des jeunes, des jeunes femmes avec des jeunes garçons, peut-être qu'ils ont travaillé, ils ont envie d'investir, ils ont une vision, ils ont envie de faire, ils ont envie de produire, ils ont besoin de gens accompagner et encadrer. Donc ça, c'est une chose que je toujours dit ou dit, petites et moyennes entreprises, c'est là que je pense que nous sommes capables, disons, de concentrer les efforts. Pour nous, les jeunes ont moyen pour exprimer talent. Vous comprenez qui talent, Barbara? Haïtiens sont entrepreneurs de nature que lui. Lors, avec en face ça là, et pour dame la cabane chez Jean Béa là, sont entrepreneurs lui. Ouais. Machin de Fresco sont entrepreneurs. À plein ça, qui est bien d'Haïti. Sont entrepreneurs lui. Moi, de tout côté. Et de tout côté. Et ils sont intelligents. Ils ont ça à faire. Et moi, ça m'a besoin bien. Compatriotes ça. Gain des fois, c'est un point là. Oui, ils cherchent quoi, bien jeune quoi. Quand ils ont un point là. Pendant eux même une situation sociale et économique difficile, ils ont jeune moyen, ils ont remettre comme la Webis sur homme. Ils ont pas de monde. Ça veut dire que ils ont capacité pour faire business dans des conditions difficiles et puis ils ont une intégrité, honnêteté, sérieux. Ils remettre comme eux. Parce que c'est pas mesure l'argent gagné en poche qui fait mesure sérieux. On connaît baba, il dit pas l'argent qui fait monde. Non. Donc moi j'ai un pile respect
pour micro-entrepreneur ça qui prend pour yon dans la rue et qui a crédibilité pour prêter, pour continuer à prêter, pour faire business, pour faire l'argent, pour payer des dettes et puis pour faire famille vivre. Son belle bagaille, son bel pays. Moi-même, je toujours dit moi-même Haïti, toi, pas fort. Son maladie, je n'aime beaucoup, je ne remets pas. Pourquoi on souffre de maladie ça? Pourquoi on a plein de la télévision? Pourquoi on souffre de maladie ça? Définitivement, son maladie, je pense que c'est un pile de Haïtien. C'est toi, Haïtien, qui va payer de la vie, je te dis. Ah, même, il y a une maladie ça en pile. Je suis Haïti, je suis musique Haïti. Je suis habillé bagaille ça. Dimanche après-midi, tourner la caille. Tourner la caille, tu as aimé tourner la caille. Tout le monde a aimé tourner la caille et tourner la caille là, économiquement, tout le monde veut les stables. Je nous dis, hein? Et c'est peut-être ça que je dis hein, avec Jerry Tardieu, lui-même qui a parlé nous de comment pouvoir s'investir en Haïti, investir tout et investir tout dans le pays. Hein? Oui. Parce que quand on investit, on va investir tout. Exactement. En parlant de s'investir, Jerry, nous allons venir sur le côté, je peux dire, Jerry Tardieu en tant d'homme politique. Oui. Qu'est-ce qu'il y a une intention politique, Jerry? Et dans le futur, maintenant, qui va dire où est la bagaille politique dans le pays d'Haïti? Bon, ça c'est une question que je toujours poser parce que moi-même pas jamais caché personne, moi écrit dans le livre d'ailleurs que moi j'aime politique. OK. Pour qui ça m'aime politique parce que la politique c'est les affaires de la cité. Ou comme moi j'aime pays, me toujours impliqué depuis me tourner dans pays à 21 22 ans, j'ai étudié et moi toujours impliqué dans question citoyenne, participer dans comité, participer dans groupe de travail sur la constitution, faire un pile œuvre citoyenne. Donc moi c'est que pour qui ça et vous ça me le livre là c'est investir et s'investir en Haïti. C'est parce que je ne crois pas seulement dans l'investissement, je crois dans un monde investi tête. Donc, et sous question politique là, est-ce que un jour m'a fait politique active et direct à 100%? Je dois espérer ça. C'est à toute fierté, c'est à tout espoir que un jour, et si je quitte le secteur privé là, et que je dois rentrer dans la politique, bien que je fasse, disons, et son base, je dois capable de dire qu'il n'est pas total. Okay. Ouais? Par exemple, le m'accepter pour me présider le premier conseil de développement économique et social à l'époque, il y a deux ans. Et en quelque part, le conseil de développement économique et social sont un organe hybride qui ancré dans la primature. Donc ça veut dire que moi-même, moi j'étais ouais dans le projet gouvernement, j'étais ouais dans le projet Michel Matéliam, j'étais ouais dans la politique générale gouvernement, des bagages qui sont extrêmement positifs et que un citoyen doit accompagner. Donc en quelque part, moi c'est un citoyen engagé. Est-ce que demain je vais faire politique active, moi t'as espéré ça parce que moi t'as aimé fini vie moi pour m'observer pays moi t'as aimé fini vie moi pour m'observer communauté moi et pour m'observer ville côté m'habiter là et puis politique là va veut dire et il veut dire un pile bagaille et sous élu un kazek ou bien un azek pour appeler des zones côté là c'est très bien son implication politique lié. Soit aller comme candidat magistrat dans une commune, sont belles bagailles. Un magistrat, un maire, c'est une bagaille qui est bien importante en Haïti. Les gens ne s'imaginent pas. On peut faire le développement à travers les municipalités dans ce pays. À travers les maires seulement, nous sommes capables de vaste plan de modernisation de ce pays. Au niveau de la Chambre des députés, nous capables de masse critique de députés qui ont une vision tellement homogène qu'ils mettent ensemble pour faire des lois modernisatrices extraordinaires. Ouais, et les gens qui sont impliqués, ils sont impliqués. Ouais. Il y a un peu de monde qui vivent dans la diaspora, ils tournent dans la région côté le fait là. Et bien, moi-même, tout le monde a souhaité que vous retraitez, mais aussi des retraités actifs. Ça veut dire qui ça? Un retraité actif, jeune monde, 60 ans, ou des gens anciens, les coteaux, les Iwa, bombardeaux police, ou tourner dans la zone côté le fait là. C'est leur décider fini vie. Mais pour qu'ils soient pas candidat magistrat, pour qu'ils soient pas candidat comme délégué ville, pour qu'ils soient pas candidat azek kazek, pour qu'ils soient pas monter un combat dans zone là, pour qu'ils soient pas font l'école dans zone là, pour qu'ils soient pas montrer mon yo faire formation professionnelle pour yo. Ouais, c'est ça tout le sens d'une vie. Ou à l'autre bord, ou accumuler capital, ou accumuler connaissances pour faire quoi? Leur tourner dans pays ou, li le, j'en t'ai dit tout à l'heure, pour bay pays ou on parti dans sorte recevoir. C'est conception pam et c'est pour ça que peut-être demain da espérer et que me capable que m'a bien temps et que bon Dieu toi bonne santé parce que connait baba c'est la santé qui est important. Ah oui, effectivement, c'est la richesse. C'est la richesse. Avec ce tour qu'a fait toute bagarre. Fait toute bagarre si bon Dieu bonne commune Pétionville là, on pensait que peut-être on va aller vous députer ou quoi. La commune de Pétionville. Dans commune Pétionville, nous montons une organisation citoyenne qui est le CAP collectif habitant Pétionville. Moi c'est un membre fondateur et me son porte-parole CAP.
Kapla lui-même, probablement dans les prochaines élections législatives et municipales, l'a bien pour le bail moli, pour suggérer population, des gens que l'estime qui ont crédibilité, qui ont capacité, qui ont honnêteté, qui ont préparation, pour y aller avec, magistrat, député, sénateur. Donc, moi-même, je fais un peu, je ne vais pas mentir, je fais un peu de pression sur moi. Je suis capable peut-être d'être un candidat à la députation de Pétionville. Je peux beaucoup faire des décisions. Je fais ça. Et le moins qu'on est, le moins tout élément, on est même. Et si je fais ça, je garantis mon bagage, c'est le premier monde qui m'a fait comme ça dans New York. Ah oui, 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 oui. Même pour prendre des décisions, effectivement, il y a un peu de monde qui propose ça, qui estime que Pétionville, je suis un bon profil pour me faire un bon député, pour me faire représenter l'intérêt commun dans la Chambre. Pour être capable de travailler sur une série de lois, pour être capable d'aider les communes, et puis il y a tout. Et son expérience qui est intéressante, je ne dis pas qu'elle n'est pas intéressée, mais pour le moment, je n'ai beaucoup fait le choix. Okay. Et Napton, il y a un facteur, ça va dépendre de la vie. Comment expliquer que Gampil Moun, pas vrai, qui veut appliquer dans la politique, mais c'est toujours aspiration à la présidence? Je ne voulais pas commencer justement, j'en dis. Moi-même, vraiment, Baba, je suis belle, parce que moi-même, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ouais, c'est toujours le président qui a besoin. Oui, bon, par contre, moi-même, bon, heureusement que moi-même, pas souffrir maladie ça. Ça, c'est une maladie grave. Moi, pas souffrir maladie ça. Moi-même, moi, pense que vous servez pays à tous les niveaux. Ok, et vous êtes capable de faire du bien à tous les niveaux. Et moi-même, quel que soit le niveau que je prends une décision, je servir pays, si c'est là au niveau de députation Pétionville et que ces choix ça me fait, eh bien, je suis extrêmement satisfait, je suis extrêmement heureux que à niveau ça, je pote ça me capable dans contribution à faire Haïti plus belle chaque jour plus. C'est vraiment bien dit. Jerry, avant que nous allions tout, nous avons aimé connaître de Jerry Tardieu l'homme. C'est-à-dire la vie personnelle de Jerry, il faut nous connaître. Est-ce que Jerry est un homme libre? Avec un beau sourire pareil. Bon. Hey Jerry, faut nous connaître. Jerry, t'as un jour, moi. Bon, avec plaisir. Alors, faut me dire que dans le livre-là, mon Dieu m'a posé ma belle question sur la trajectoire personnelle. Ah, oui. Donc, mon Dieu, le livre-là, il connaît un petit peu côté m'étudier. Ah bon? Qu'il aime faire. Mais bah, nous, tu bailles tout la télé-image, voyons. Bon, mais. Moi, quand on regarde la télé-image, je tout, il a dit, bon, bah, écoutez, hein. On va quitter monsieur, allez, c'est le baba, nous, on va. Ok. Hey, Jerry. Il est très difficile pour nous parler de tête. D'autant plus que moi-même, en dépit des apparences, et moi quand même, on est assez réservé, on est assez discret. C'est dit, comme moi. Je ne dis pas timide. On a des points communs, on a des plaies à vous. Ah oui. Jerry, c'est ça qui l'a. Non, moi, je suis très discret, très privé. Ouais. Et puis, je ne parle pas parler de tête. Okay. Parce que je suis toujours plutôt aimé que c'est monde qui voit son fait, qui voit son yé. Et bon, moi-même, j'ai 4 petites. Okay. Et moi, j'ai marié en première fois, j'ai 2 enfants de premier mariage. Okay. Et moi, j'ai marié, j'ai 2 autres petites en bas âge. Okay. Et moi, j'ai très heureux dans la famille, moi, j'ai très encadré par. Une grande famille de... Bon, je suis moi d'une famille de 4 enfants. Okay. Et j'ai 2 frères, Patrick et Fabrice, j'ai une sœur, Régine. Qui sont les personnes que j'aime le plus au monde. J'ai 2 parents formidables. Ah, ma mère et mon père qui vivent aujourd'hui à Miami et qui viennent me voir autant que possible. Ah ouais, j'imagine. Le gros suite tout là. J'ai une femme admirable qui me soutient dans mes efforts. C'est bien. Et j'ai 2 enfants en bas âge qui sont en Haïti avec moi. Une troisième, ma fille Aurélie, à laquelle j'ai dédié mon livre. J'ai pu voir le nom. Et j'ai dit que à Aurélie, ma fille, la seule personne qui aime Haïti beaucoup plus que toi. Autant que moi. Autant que toi, je pensais beaucoup plus. Elle a 16 ans et c'est quelqu'un, une jeune fille très intelligente qui aime beaucoup son pays. Et j'ai un fils qui est déjà parti et qui est à l'université. À part de ça, je suis un ancien joueur de football. Donc j'ai une passion pour le football. Et j'ai joué au Violet Athletic Club, j'ai joué pour la sélection nationale. J'ai voyagé à travers l'Amérique latine pour défendre les couleurs de mon pays en sélection junior et sélection cadet. Donc ce qui fait, c'est là aussi que j'ai eu, et c'est ce qui m'a rendu très proche des différentes couches sociales de mon pays. Parce que là, je joue football avec toute qualité moun. Donc ça a bon qualité humaine, ça a bon dimension sociale, ça permet tout qu'on valeur moun, ça permet tout qu'on habitué vivre, partager avec moun. Et parce que je me trouvais tout, je me toujours dit ça. Et Barbara, le football pour moi, c'est une école de la vie. C'est le football qui fait ça mieux aujourd'hui. Pour qui ça? Parce que c'est le football qui forge le caractère au monde. Lorsque je joue au football, ou subit une injustice, mais ou capable de lutter contre l'injustice. Même si vous avez une vieille pénalité, vous bataille pour le remettre. Okay?
et il y a une solidarité que m'apprend dans le football. Il y a 11 nèg qui solidaires une à l'autre. Okay. Nous prenons vers un seul objectif. C'est pour ça football là le forger caractère. Et puis on bataille avec des monde qui pas même condition sociale avec vous. On apprend remer pour ça yoyé. Et c'est ça qui fait que je dis à moi monde moi. C'est parce que football fait un pile pour moi. Je souhaité d'ailleurs et nous profiter ça, la sélection nationale du 17 ans. Ouais, qui a gagné. Qui a gagné, effectivement. C'est bien. Petit monsieur poussé. Nous devons souhaiter que nous présentons dans la prochaine Coupe du Monde. Nous travaillons pour ça. Moi-même, personnellement, je suis toujours pour ce football. Ouais. Et je toujours dit que c'est un sport qui unit les Haïtiens. Je toujours souhaité que toute famille, même si c'est mon qui vivent dans la diaspora, encourager petit tout pour jouer au football. Parce que le football, là, c'est un facteur de formation de la personnalité de quelqu'un dans la vie. Et parti garçon seulement, tu fais tout. Tu fais tout. Tu fais tout. Alors, moi, c'était Jerry Tardieu, la présentation de Jerry Tardieu, l'homme. Baba, on va faire un peu de mal. Vous faites parler de moi, t'as l'air de dire que là, qui est après Shelby, et puis sortant de là, il va y avoir internet. Même nous, on va défendre. Nous, on va défendre. On l'a vu ça. Effectivement, Jerry, nous pouvons finir l'interview intéressante. Ça, nous avons mérité là avec Jerry, il faut me dire nous. Pendant tout l'après-midi, mais malheureusement, faut nous, Jerry, lui-même, son monde qui est très, très occupé tout. Il était prêt du temps pour te passer avec Téléimage. Mais on va terminer avec le livre, Jerry, pour nous connaître Simon, qui t'a aimé. Ouais, et tu as supposé acheter le livre. Comment tu as joué le livre, Jerry? Cependant, moi j'ai l'intention de venir fin novembre, début décembre, pour me faire une grande signature à New York. Et moi, pour qu'on ait des détails sur qui je m'a fait et qui l'homme m'a fait exactement. Cependant, à travers Téléimage, nous avons souhaité qu'on va m'informer la population haïtienne qui vit dans New York de qui l'homme a venu. Okay. Et à partir de cela, nous avons informé autour de qui est capable de faire le livre là. En attendant, en Haïti, nous avons toutes les librairies dans Pétionville. Astérix, j'imagine. Et pour parler avec des points de vente et New York. Et donc, je demande à mon yo pour y aller à mes pages Facebook. Jerry Tardieu, il y a Jerry Tardieu, il y a sur Facebook. Okay. Et puis c'est sur page Facebook moyen que m'a bay toute information sur qui là que moun yo et qui bok yo capable de joindre le livre là. Okay. Donc à partir de la mi-novembre, le livre sera disponible pour les Haïtiens de New York et c'est dans page Facebook moyen que yo pral remen et c'est là m'a bay adresse exacte côté yo capable acheter livre ça et m'a invité yo pour y aller acheter livre. Oui, définitivement parce que la paix des moun yo en pile Jerry parce que premièrement, c'est expérience personnelle. Et l'homme où on regarde tout, on peut voir que Jerry Tardieu vraiment became a successful entrepreneur. Thank you. So you become a role model for the people. You can also be by talking to you an inspirational speaker. You know, Jerry, it's very interesting while I'm talking to you, and I'm like, you know, this guy is very interesting person here. You know, it's true. Thank you. So, because you can motivate Mounio Jerry, et c'est ça que peut-être. Et en pile haïtien, que c'est ici, que c'est jeune, que c'est moins jeune, elle dit oui, il y a de l'espoir. Oui. Ok, que vous capable de faire ça. Ou pas besoin de peur faire. Oui, moi, je vis ça parce que trop souvent, c'est pour ça que l'autre jour, nous avons un table ronde avec le fameux Franck Etienne, grand artiste, grand intellectuel, grand poète, grand dramaturge haïtien. Et puis il dit que Jerry, tu as une inflation d'optimisme. Ah oui, c'est ça, ça c'est vrai. Et bien, moi-même, je réponds, monsieur, moi, choisi une inflation d'optimisme. Parce que sous vers ça que nous avons gardé là, je n'ai pas choisi où est la moitié vide, je choisis où est la moitié plein. Dans la vie, des fois, c'est son besoin. C'est condition psychologique à partir de laquelle on analyse une situation. Moi-même, ma vie garde des positif parce que moi, mes pays, moi, pays, j'ai un potentiel. Moi, mes pays, parce que moi, pays, j'ai un bagage qui est capable de faire. Donc, je choisis un bon bagage qui a fait la donne. Au lieu peut-être de deux, trois petits problèmes que nous sommes capables toujours régler au fur et à mesure. Donc, on m'accuse d'être un vendeur d'utopie, je dis non. On m'accuse d'avoir une inflation d'optimisme, je dis non. Je dis que je suis un Haïtien qui croit fermement en son pays et qui est sûr qu'avec des initiatives individuelles de tout le monde qui même j'ai à voir avec Valérie, avec tout le monde qui l'a remis pays, n'a brisé côté de Valérie. C'est bien DJ. Et puis le dernier mot pour la diaspora, justement, pour ne pas oublier que vous venez investir ici. Alors, un dernier mot, puisqu'on va s'en aller, qui sont qu'à 10 mouns. Dernier mot. Bon, dernier mot que je suis capable de dire, je dis ici dans la diaspora, ici dans New York, dans Long Island, dans Miami, dans Fort Lauderdale, dans Brooklyn, dans Boston, dans Matapan, dans Blue Hill. Et nous tous, c'est haïtien. Moi-même, j'ai écrit ça dans le livre. Et il faut que nous plus de solidarité. Il faut que nous toujours pensions à Haïti. Il faut qu'on ait que c'est l'année des fêtes, c'est l'année éduquée. Et je vais espérer qu'un jour, on a toujours atterri ici hein, pour que tout ça n'apprenne l'autre bord, pour que le petit capital qu'on a accumulé ici, hein, l'autre bord,
nous venons investir en Haïti. Parce que c'est ensemble, Haïtiens ici, Haïtiens dehors, que nous avons construit Haïti que nous rêvons de lire. Bien dit, Jerry. Jerry dit tout ça, mes amis, que nous-mêmes, dans la diaspora, parce que c'est important pour nous-mêmes. C'était un plaisir de rencontrer Jerry Tardieu. Vraiment un homme très gentil. Comme je dis encore, un bel homme. Ce Jerry pourrait le considérer encore le 2014 là, où il pourrait être encore la liste là. Ah, Jerry pourrait avoir un problème encore. Il semble, parce que maintenant, ce n'est pas Jerry seulement un bel homme. Jerry, l'intellect, l'entrepreneur. Merci. Que je dis que me faire connaissance avec elle. Merci. Ça, ça veut dire que j'apprécie encore plus l'homme. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je te remercie beaucoup, Barbara. Je remercie Valérie. Je remercie Téléimage. Ouais. Je remercie tous les téléspectateurs qui ont pris le temps de nous écouter aujourd'hui. Ouais. Et m'a dit que Nawa à l'Oasis, les Haïtiens vivant à New York et à l'étranger sont chez eux. N'abtenu là. Et puis, mille merci pour tout. Bon courage, bonne continuation. Merci beaucoup, ouais, mes amis. Encore une fois, pas oublier, la caille, c'est la caille. Il faut nous venir investir et il faut nous descendre dans l'hôtel Royal Oasis. Jerry Apton, nous, moi-même, go suite là, sommes déjà là. Okay. Merci. Merci. Va qu'on a ici, viens découvrir le pays. Qui t'aime mener? Qui t'aime mener? Viens juste là, je vous Qui t'aime mener? Viens découvrir ta artiste nous. Quittez-nous mener, jouer une tradition nous. Quittez-nous mener, découvrir saveur gastronomie nous. Quittez-nous mener, vivre feeling musique nous. Quittez passion nous. Quittez-nous mener et découvrir histoire nous. Venez en Haïti, découvrez l'âme des Caraïbes.